Bonjour à tous, alors, je m'appelle Gauthier Dreyfus, je suis le porteur de la startup Forcy Robotics qui était finaliste du Sardine Trophy organisé en partenariat avec la Fondation de la Mer la semaine dernière à Marseille. Alors nous, on fait un petit robot sous-marin qui est une tête chercheuse. On vient connecter des installations sous-marines pour les ravitailler. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est celui de l'avion de chasse qui se fait ravitailler en vol, comme ce que vous avez vu dans des films d'action, des films d'espionnage. Vous avez un gros avion, un avion de chasse, et on descend un câble ou une tige avec un entonnoir et puis on transfère le carburant. À nous, c'est exactement pareil, c'est que vous avez un gros bateau en surface, vous avez des installations ou des drones sur le fond de l'eau, et puis ces installations, il faut ravitailler les batteries, et puis il faut remonter les données, puisqu'il n'y a pas d'onde radio qui passe dans l'eau. La deuxième application, c'est celle d'une canne à pêche, sauf que dans l'offshore, il peut y avoir plusieurs milliers de mètres de fond, et donc les hameçons ne sont pas téléguidés. Donc nous, ce qu'on fait, c'est un hameçon téléguidé qui vient crocheter une installation, et on vient la remonter en surface. L'intérêt, c'est que ça va plus vite et que ça coûte moins cher. Donc pourquoi on a besoin d'innovation dans notre projet? D'abord, il y a beaucoup de problématiques qui sont liées au maritime. La simple étanchéisation de nos systèmes, c'est un robot qui va sous l'eau, qui va à des grandes profondeurs. Beaucoup de problématiques de guidage, donc là, c'est de la pure robotique autonome, comme ce qui se fait dans la voiture autonome dont vous entendez parler. Du guidage par vision assistée par ordinateur, donc on a beaucoup d'algorithmes intelligents et de machine learning, donc d'intelligence artificielle, c'est encore des sujets dont on parle beaucoup dans les journaux. La Fondation de la Mer, c'est important pour nous. On a vraiment envie d'ancrer notre projet dans l'écosystème maritime français. Et d'ailleurs, on a beaucoup de partenaires académiques français, on travaille avec les écoles, on recrute dans les écoles françaises, que ce soit sur la région de l'Atlantique ou la Méditerranée. On travaille avec des fournisseurs français. Et donc toute cette dynamique française maritime, on peut la sentir dans notre projet, et c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Je suis convaincu que la croissance va passer par le monde maritime. D'abord parce qu'on va être 8 milliards sur Terre et donc il va falloir exploiter les richesses marines, que ce soit des molécules pour la santé, que ce soit les algues pour la nutrition, et que ce soit les minéraux rares dans les sites sous-marins profonds pour les industries de haute technologie. L'innovation dans le maritime, c'est important. Pour vous donner les exemples de nos propres marchés, d'abord le marché parapétrolier. Il faut bien voir que la transition énergétique, elle va passer par l'utilisation du gaz, qui est beaucoup moins polluant que l'essence. Et le gaz, demain, sera produit à plus de 50% en offshore. Donc on a besoin de produire moins cher et de produire de façon plus responsable. Autre exemple, la défense. Aujourd'hui, les problématiques de guerre des mines et d'espionnage sous-marin sont vraiment d'actualité avec un contexte quasi-guerre froide entre les États-Unis, l'Occident, la Russie, l'Europe pardon, et la Russie. Également les énergies marines renouvelables, l'éolien offshore, l'hydrolien, sur lequel on peut avoir des applications. Et enfin, tout ce qui est exploitation responsable des richesses marines dont nous avons grand besoin pour nous développer de façon responsable. Donc, merci beaucoup à la Fondation de la Mer, j'espère vous recroiser le plus souvent possible, on va de plus en plus communiquer sur les stands, sur internet, etc. Donc je serai ravi de vous recroiser à ces différentes occasions. Merci à vous encore une fois.